Hop là, me voilà. Alors, le son du jeu, je vais peut-être le monter un petit peu quand même. C'est assez discret quand même. Voici OpenTTD. Je vais en parler un peu plus. D'ailleurs, je crois que je vais recommencer une partie. Quitter, abandonner la partie. Hop. Je voulais montrer un autre jeu à la base, mais qui est tellement ancien que j'ai du mal à gérer la résolution. Salut l'Azure. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour afin de contaminer le monde par la dévastation, afin d'asservir les peuples de toutes les nations. Et ça rime? Tu nous écris un rap ou ça a aussi une référence à quelque chose que j'ai pas, je sais pas. Ouais, donc je disais, attends, faut que je baisse le son chez moi. Ouais, que il y a un jeu qui s'appelle Interstate 76 que j'aimerais bien montrer en stream. Que j'avais trouvé génial à l'époque, mais comme c'est du 640 pixels par 480, c'est un peu dur de faire manger ça à OBS, quoi. Bon, on verra. Ah, la Team Rocket! Ok. Voya, tu l'as capté, c'est bon. Impeccable. Qu'est-ce que c'est OpenTTD? Alors, il est open dans le sens où il est gratuit. Enfin, il est vraiment. Enfin, tout ce qui est. Open n'est pas toujours forcément gratuit, mais là c'est du FOSS, FOSS, Free Open Source Software. Et c'est un remake, un rebuild d'un jeu qui s'appelait Transport Tycoon Deluxe il y a bien longtemps. Et c'est une sorte de. On peut dire peut-être un peu un SimCity, sauf que là le but, on crée pas les bâtiments, hein, on crée les réseaux de transport. Voilà, ça ressemble clairement à du SimCity 2000. Mais là, on peut. Alors peut-être qu'on peut parfois créer un bâtiment, je sais plus, mais c'est pas l'essentiel. Enfin, on crée bien sûr les stations, les gares et tout. Mais on ne va pas créer des maisons et compagnie. Par contre, si on fait en sorte qu'une ville soit très alimentée en trajets de passagers et puis de marchandises, bah, ça va faire grossir les villes plus vite. Donc une partie du plaisir du jeu, ça peut être de se dire, ah bah tiens, cette ville, je veux qu'elle devienne énorme et tout. Et ce qui est en plus très très cool. C'est qu'on peut jouer à plusieurs. Il y a un mode multijoueur. Je sais plus combien on peut être, mais je pense qu'on peut jouer à 8, un truc comme ça. Moi, je suis très mauvais à ce jeu et je sais qu'il y a des experts qui passent leur temps à y jouer et qui me dévoreraient, mais jouer avec des gens qui connaissent pas trop, ça peut être drôle. Tout à fait, tu as raison. Il ne faut pas délaisser les petites gares, même si on veut faire grossir des grosses villes, des énormes villes. Il faut quand même faire attention à la campagne. Et pour avoir un peu habité en Lozère et en ayant vu des gares fermées, enfin pas forcément fermées, mais genre la gare qui est ouverte tous les jours, bah finalement elle est ouverte que de 14h à 15h15. C'est vrai que c'est relou, avec des trains qui disparaissent, etc. Donc je vais faire une carte un peu basique là. On va tester ça. Alors, les noms des villes, comme souvent dans les trucs un peu open source, il y a plein de gens qui collaborent du monde entier. Ce qui fait qu'on peut avoir des noms de villes de plein de sortes différentes. Alors, les noms français, les noms franchouillards. Il y a les noms drôles aussi. Je ne sais pas à quel point ils sont drôles, mais ça pourra se tenter. Là, on va commencer par les noms bien français. Voilà, les gares qui ouvrent à 9h alors que les trains passent à 6h. Ça, c'est horrible. Ouais, franchement, il y a. C'est vraiment infâme de devoir attendre un train alors qu'il n'y a aucun service à côté. C'est assez moche. Alors moi qui suis très mauvais à ce jeu, souvent, vous savez, des fois il y a des petits trucs comme si vous avez un film préféré que vous regardez 2 fois par an, voire plus, juste pour pas avoir de surprise. Moi, dans ce jeu, souvent, je commence par faire un réseau de bus. Il n'y a rien de plus simple, c'est tout. C'est tout poupie, mais c'est tellement nul et ça rapporte tellement peu d'argent que finalement je finis par devenir tellement peu rentable que je peux pas faire autre chose que je peux plus faire le train ou d'un. Mais une fois n'est pas coutume, ou plutôt plein de fois devient coutume quand même, on va faire un réseau de bus. Gloire au bus, mais oui. Si on pouvait faire des pistes cyclables, je ferais des pistes cyclables ou des sentiers de randonnée, mais ça va pas jusque-là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des villes avec des nombres d'habitants. Alors bon, voilà, forcément, ce n'est pas des nombres réalistes. On peut peut-être considérer que c'est des centaines d'habitants ou je sais pas quoi.
Et on a nos petites routes. Quand on appuie... Attends, normalement... Alors là, je peux appuyer sur la ville. Je vois sa population, le nombre de maisons. La ville ne croit pas. Avec un accent circonflexe, hein, ce qui change tout. Municipalité. Alors on peut, dans une ville, faire des campagnes de pub. Parce que, en fait, bah, quand on est seul sur une ville, je pense que ça ne change pas grand-chose. Mais si on est plusieurs, on peut être, si on joue à plusieurs, on peut très bien être deux à envoyer des bus dans une ville. Et à ce moment-là, la campagne de pub permettra d'avoir plus de clients que les autres. Si on est solo, la pub doit un peu jouer, mais beaucoup moins forcément. Ah mince, t'as failli te rentrer dedans par un bus, ça aurait fait mal. Et les bus allemands, est-ce qu'ils sont plus lourds que les bus français? Donc ici, on a des maisons, on a des mines, alors des mines de fer. Et après, c'est un peu comme pas mal de jeux dans ces styles-là. Là, on a une scierie qui demande du bois. Donc on va ch aller chercher du bois chez des bûcherons, on va l'amener à la scierie. Et ça va faire des goods, des biens manufacturés. Ici, le minerai de fer, bah, faudra l'amener à une scierie, un truc comme ça. Pas une scierie, une aciérie. On a une usine qui demande du bétail, des céréales et de l'acier. Donc ça commence à être un peu compliqué là. Ah, une centrale électrique. Une centrale à charbon. Et en regardant vite fait, on pourrait se dire, mais c'est une centrale nucléaire. Non, n'oublions pas que ce type de cheminée n'est pas typique des centrales nucléaires. C'est une cheminée de refroidissement parmi d'autres, et un point, c'est tout. Voilà, donc là, on a du charbon. On peut faire des bus, je disais. Des camions, bah, de transport, voilà, pour transporter mon charbon, mon bois, je peux faire des camions, des routiers. Des trains qui vont bien sûr être super efficaces pour emmener plein, plein de choses dans tous les sens. Des bateaux qui peuvent être cool aussi si la carte est adaptée. Donc en général, il y a des cartes, par défaut, les cartes, elles ont des côtes qui font tout le tour. Donc pourquoi pas. Et des avions. Les avions, c'est has-been, donc on ne fera pas d'avion. Ah, le bus était bien français, t'es pas, je me rappelle plus. Ah non, tu bosses pour des Allemands, mais en France, ouais. En voiture, on est bien protégé. Moi, j'ai un pote quand on était jeune qui roulait en Peugeot 103, là, les petites mobylettes toutes cramées, là, il s'était pris un bus là-dedans. Ça va, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu très mal finir. Ouais. Bon, alors, le premier truc, peut-être, ça va être de chercher deux villes assez proches l'une de l'autre, mais qui ont beaucoup d'habitants quand même. Oh, Montpellier, 527 habitants. Je dirais que si on trouve deux villes pas trop éloignées qui ont plus de 1500. Angers. Ah, pas mal ça, Angers-La Rochelle. La Rochelle est pas ouf, mais c'est pas mal quand même. Enfin, si, c'est bien, c'est quand même la deux. Ah, voilà, le top, c'est Angers, Chambéry. Là, on a du gros là. Chambéry, Agen. Et puis, il y a peut-être plus de plats. Parce que forcément, c'est aussi plus compliqué, plus cher d'aller chercher des reliefs comme ici, quoi. Oui, c'est vrai que ouais, dans l'Alsace, ok. Donc un bus bien français. Mais il est vrai qu'en cas d'accident, on se fiche un peu de l'origine du bus. Mais... Je ne suis pas sûr que la Deutsche Qualität joue beaucoup en la matière. Ok, bah... Qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, ça serait pas mal, non? Chambéry, Angers, Agen plutôt. Et après, il n'y a pas trop de possibilités d'extension rapide, parce que les prochaines villes sont un peu loin, mais bon, il y aurait Vichy, mais c'est tout petit. Beaujolais, avec tout plein de champs à côté, une belle usine énorme, une raffinerie pétrolière qui demande du pétrole pour faire des biens. Voilà. Et donc, ouais, je vais commencer à faire ça. Donc, le jeu dont je parlais, sinon, ça aurait un petit rapport, Interstate 76. C'est un jeu de conduite de bagnole en mode vigilante, quoi, en mode à la Mad Max, le premier Mad Max, genre crise pétrolière. Crise pétrolière, et puis les gens qui commencent à se battre pour l'essence qui reste. Il est très très cool. Bon, si jamais vous entendez parler d'un super moyen pour
afficher des jeux avec des très vieilles résolutions sur des machines récentes. Mais enfin, je peux le faire tourner en plein écran, mais par contre, dès que je mets le logiciel de streaming, ça passe plus du tout. OBS veut une résolution plus classique. Hop. Alors, on va se faire. Alors, comment ça marche? Déjà, je peux. Normalement, ça, c'est mon personnage qui est généré aléatoirement. Donc, je suis Wendy, peut-être Sharky. Ma couleur, ça sera le bleu. On démarre en 1950, et bien évidemment, d'année en année, des nouveaux véhicules vont sortir. Pour l'instant, ma compagnie vaut 2 euros. Ce qui, même à l'échelle du jeu, n'est pas énorme quand même. Et on peut construire le siège. Je n'ai jamais su si ça avait vraiment une influence. Peut-être que ça augmente un tout petit peu le prestige du quartier, mais bon, je suis pas sûr. Sharky en mode femme, bah, dans les années 50, c'est clair que c'est assez précurseur, la super PDG d'une grande compagnie. Donc c'est cool. Alors, bon, je vais mettre ici peut-être impossible de construire non autorisé pendant la pause. On va enlever la pause. J'avais mis la pause parce que sinon l'argent file. Donc j'ai mis le siège, je ne sais pas à quoi ça sert, mais il est là. Je peux pas construire des immeubles, ça c'est le. Ça va. Par contre, je peux construire des routes. Et on va commencer par ça. Faut que je retrouve un peu l'interface, là, les routes, c'est où c'est là. Et donc alors ce jeu, ça a été recréé par des fans en mode open. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, normalement, il y a une petite musique quand même. Hop. Musique OpenMSX, je l'ai mis. Mais par contre, j'ai peut-être. Est-ce qu'il y a plusieurs menus? Est-ce qu'il y a quelque part? J'ai. Alors. Volume. Non, ça, c'est pour les réglages. Parce qu'on peut régler des tas de choses. Hein. Ça va très très loin. Il y a plein de paramétrages. Hop. Par contre, ça serait dans les options du jeu, je pense, l'audio. Mais je vois pas. Je vois que j'ai mis SFX pour les sons, OpenMSX pour la musique. Ah, c'est là le volume là. Putain, c'est discret. Hein. Pense que là, ouais. Traditionnellement, dans ce genre de jeu, il y a soit des musiques un peu soit jazzy, soit jazzy de supermarché. Là, on a la version jazzy de supermarché dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Dans Railroad Tycoon 2, il y a des musiques beaucoup plus cool. Ok. Et donc, je disais, on peut faire des routes. Pourquoi faire des routes? Bien sûr, pour relier nos fameuses villes. Pour l'instant, je sais pas comment. Bon, la pause, il n'aime pas. Donc, on va enlever la pause, mais sans accélérer, bien sûr. Voilà. Je vais mettre mes petits tronçons. Et alors, ça, là, c'est un jeu où il n'y a pas de campagne. Alors, en vrai, j'aime bien en général quand il y a une histoire, même sur les trucs de construction. J'aime bien quand il y a des scénarios. Mais bon, là, pour ce jeu, c'est assez cool d'avoir un mode pépouze où le but, c'est juste bah, de faire de la thune, bien sûr, quand même, mais sans objectif particulier. Après, il y a des micro-quêtes intermédiaires, entre guillemets. Des fois, il y a des municipalités qui disent. Si vous nous connectez à tel bled, ben on va vous donner telle subvention, quoi. Mais ça va guère plus loin. Ouais, bah c'est pas étonnant, ouais, c'est cool. On dirait une OST de Pokémon Perle. Je connais pas. Bon, si la musique est vraiment relou et que je peux couper, hein, on peut mettre autre chose, mais. On peut remettre une BO de Tabletop Audio. Là. Mais ouais, c'est marrant que ça soit dans les packages. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu dans les dépôts officiels Debian? Mais après tout, ouais, des jeux open source fabriqués comme ça, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns. Hein. Il doit y avoir Battle for Westnoth aussi dans les packages. Hop, hop. Qui est très cool aussi d'ailleurs. J'ai bien envie de jouer à Battle for Westnoth. Voilà qu'on a Chambéry et Agen qui sont reliés. On va peut-être faire quelques petites routes en plus là. Voilà.
quartier un peu propre, où il y a quand même plusieurs chemins. On va essayer de pas favoriser les embouteillages, mais... Et on est pas mal. Il faut quand même laisser de la place pour les arrêts, évidemment. Donc on va commencer par faire un dépôt routier pour acheter et entretenir des véhicules. Alors ce qui peut sembler parfois pénible, mais en même temps ça permet de contrôler précisément ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois on doit déterminer l'orientation comme ça. Et ici je vais mettre un dépôt, or je pourrais en mettre un dans une ville, mais en vrai, bon, comme il n'y a pas tellement besoin de faire des révisions très régulièrement, si je fais un dépôt entre les deux villes, bah ma foi, ils y passeront de temps en temps et ça ira très bien. C'est en partie automatisé quand même, bien sûr. Quand les engins ont besoin d'être révisés ou réparés, ils se rendent, si je me rappelle bien, tout seuls au dépôt. Hop. Salut Alex. Ouais, il y a un côté SimCity sur ce jeu, donc gratuit et open source, qui est une sorte de remake d'un jeu qui s'appelait Transport Tycoon Deluxe et que j'aimais beaucoup à l'époque où il était sorti. Et donc, la différence avec un SimCity, c'est que là, on gère plutôt des transports. Il y a sûrement d'autres jeux qui le font depuis en moderne, mais je n'ai pas trop suivi ce type de jeu depuis longtemps. Mais lui, il est assez cool parce que, bah, mine de rien, même s'il a un côté esthétiquement old school, il est quand même développé par des gens en permanence. Les mises à jour sont très régulières encore, la communauté est assez active. Ce qui fait que bah, il reste plus ou moins pertinent, il y a pas mal d'options quand même. Là, je vais cliquer sur mon dépôt, ça me permet de faire un nouveau véhicule. Et là, donc on est en 1950, on n'a pas un choix pléthorique, mais on se suit en autobus. Donc on a un autobus à 17 856 euros qui fait 10-11 tonnes. Il peut aller à 56 km/h, ça nous ira très bien. Ce qui est important après, quand on a le choix entre plusieurs, c'est de voir la capacité qu'ils ont et le coût d'entretien. Donc lui, il a été conçu en 1929, donc il y aura sûrement un remplacement bientôt. Il commence à faire un peu vieux. Il a une durée de vie de 12 ans avec une fiabilité de 77%, ce qui je crois n'est pas énorme. Hein. Ouais, dans les camions de transport de biens, là, on peut monter parfois à plus de 90%. Donc 77% c'est un peu de la daube, mais il n'y a pas le choix en termes de bus pour l'instant. Donc là on a une petite caméra qui apparaît pour suivre notre nouveau bus et on va lui donner c'est là je crois. Voilà, les ordres du véhicule c'est ici. Allez, ah, on va dire, tu vas commencer. Ah non, mais non, non. Aller nulle part tant que j'ai pas fait des arrêts de bus. On va commencer par Chambéry où il y a plus de monde. On va faire un peu tout ça. Alors, construction routière, mes arrêts d'autobus sont là. Après, il y a les aires de chargement s'il y a du matos à récupérer. Mais les aires de chargement pourraient récupérer éventuellement du courrier, mais pour l'instant, on va déjà faire le transport de passagers. Ouais, dans les sims, baisser le son. Voilà. 1-2-1-2, ok, ça doit être mieux là. Alors on va mettre la pause, le temps que je mette les ordres. Oui, SimHunt, putain, j'avais joué à SimHunt, c'était trop bien. SimHunt, je me rappelle, j'avais vu dans les magazines et tout, mais je crois que j'y ai jamais joué. Ou je l'ai peut-être eu, mais j'avais pas trop apprécié. Mais SimHunt, qu'est-ce que j'y ai joué? Ah ouais. J'ai beaucoup, beaucoup joué à SimHunt. C'était trop bien, il fallait combattre des araignées, des machins, puis il y avait la pluie, il fallait gérer la pluie, il fallait gérer les humains qui se promenaient dans leur putain de jardin. C'est trop cool, SimHunt. Alors on peut peut-être faire un arrêt de bus là-bas. De toute façon, on peut espérer que la ville grandisse. Donc si je fais un arrêt de bus ici, dans la zone de l'arrêt, c'est pas super plein, il y a des espaces un peu vides, mais c'est proche du stade. Donc comme les gens vont dans la ville là, vont sûrement boycotter les matchs du Qatar, ils vont jouer ici. Ah, faut que j'enlève là. Voilà. Donc il y aura un premier arrêt à Chambéry. Chambéry Stade. Et on fait un deuxième arrêt ici. Il va s'appeler Chambéry... Je sais pas quoi, on s'en fiche. Chambéry Central. Alors, il met quand même lui-même des petits noms différents. Hein, Et là, on va mettre un... Alors, faut pas se tromper de sens. Ceci dit, voilà. Chambéry Est. Donc on a rien que pour une ville comme ça, de grande taille pour un début de partie, on peut déjà mettre trois arrêts qui sont plus ou moins pertinents. Et ici, on va se caler. Je sais qu'il a pas assez d'ordre. Et on va se caler d'autres arrêts. On va en mettre un ici.
Puis à Agen, c'est plus petit. Je pense que si on met deux, c'est déjà bien. Ah, est-ce qu'on en met un près du stade pour qu'ils puissent faire les matchs aller et les matchs retour? Mais c'est un peu éloigné. Hein. Si je fais ça, il faut que je mette trois arrêts encore. Allez, on va dépenser sans compter. Trois arrêts là aussi. On est généreux. Nickel. La tondeuse, ennemi mortel des fourmis. Ah, mais c'est trop bien, Cimente. J'aimerais bien, ouais, d'ailleurs. Là, j'ai récupéré le jeu sur le site d'Open. Enfin, vu que c'est un jeu moderne. C'est un remake, mais donc je le récupère sur le site d'OpenTTD. Hein. Mais juste avant, pour vérifier si je pouvais faire tourner Interstate 76, je suis allé sur le site abandonwarefrance.org, je crois, ou .fr, je sais plus. Et je verrai si on peut y récupérer Cimente. Et s'il pourrait être compatible. Non, le problème, c'est que pour OBS, les résolutions, elles sont un peu compliquées à adapter. Donc, mon bus, je vais lui dire d'aller chercher des gens à Chambéry-Est, par exemple. Et comme la distance, dans ce genre de jeu, la distance, plus les gens parcourent une grande distance, plus ça rapporte de la thune. Je vais faire le plus loin possible, là, à Agen Central. Et puis, go, mec, on va lui mettre le petit pavillon, le petit feu vert, là. Cliquez pour démarrer, voilà, boum. Et c'est parti. Et on a la petite caméra qui peut suivre. On a le drone qui suit notre véhicule routier 1. Qui va de Chambéry Est à Agen Central. Et puis là, on va faire un nouveau véhicule. Et lui, il va aller. Par exemple, d'Agen ici. À Chambéry tout court. Alors lui, il prend les noms de villes de base. On l'envoie rouler. Et où il est là. Et on va en faire un troisième pour utiliser. Ah, les habitants célèbres. Le premier bus arrive à Chambéry Est. Troisième bus qui va faire les trois trucs qui restent. Donc Chambéry Central, on l'a pas encore fait. Et ici, il faut que je vire un peu des fenêtres, mais. Hop. Ici, c'est Agen Mine. On n'est pas encore allé. Et vas-y, Coco. Et voilà, mes trois bus qui commencent leur boulot et qui vont me rapporter des clopinettes. Mais bon. Gloire au bus. Oui, Benes Stilix. Ah oui, tu sais pas, non, je croyais que t'allais me dire qu'il était dans Abandonware, mais non, il est carrément dans les dépôts Linux, ok. Benes Steel Sky. J'avais essayé d'y jouer, mais. Enfin, j'y ai joué, mais je suis pas allé très loin. Et avec la solution. Ce serait mieux, mais. Il n'était pas si facile que ça. Hein. Les jeux d'aventure point and click, mine de rien. Même quand il n'y avait pas des milliards d'objets en jeu, mais je sais pas, j'étais bloqué assez près du début, en fait. Donc voilà, alors chaque nouveau quartier, ils sont comme ça, là. Yeah! Nouveau bus, les gars. Alors, j'ai démarré avec 300 000 euros et me voilà déjà tombé à 189 000 tout en ayant pourtant très peu de perspectives d'enrichissement. Donc, on va quand même regarder un petit peu s'il n'y a pas des. C'est-à-dire, par exemple, pas mal ça. Non, c'est une mine de fer mince. On a vu qu'il y avait du charbon, je crois. Voilà. Ici, on a une mine de charbon qui fait plein de charbon. Et ici, on a une centre. C'est affreux. Une centrale à charbon qui n'attend que nous pour livrer plein de CO2 dans l'atmosphère. Plein de CO2 de ouf. Donc, il y a aussi du charbon ici. Donc, on peut même, pour que les gens soient sûrs de ne pas avoir besoin de mettre un col roulé cet hiver, on peut envoyer du charbon depuis deux sources. Ah bah allons-y, qu'à cela ne tienne. Pour cela, on va rajouter une petite route. Après, on pourrait essayer. Si on trouve une autre ligne un peu folle, on pourrait peut-être tenter les trains. Mais pour l'instant, on va faire les camions de routiers. Bon, là, c'est 1950. Hein, c'est sûr que. Alors, en quelle année ça a démarré les centrales nucléaires? Ça a dû démarrer dans les années 60. J'imagine que le jeu va nous les proposer. Je me rappelle plus. Quant au truc solaire et tout, ouais, ça c'est pas tout de suite là. Ok, alors allons-y. Paf. Non, ça marche pas. On va faire petit virage.
Et alors, il y a un jeu dans ce genre-là que je réinstalle toutes les quelques années et dont je suis méga fan. Peu de le dire. C'est Railroad Tycoon 2. Quelle merveille ce jeu. Enfin, le premier était déjà génial, mais il est vraiment trop vieux maintenant. Alors, Railroad Tycoon 2, c'est un jeu de train qui graphiquement a pris un coup de vieux, évidemment. Il est assez ancien. Mais il y a eu des suites, hein, Railroad Tycoon 3 et peut-être même le 4, je ne sais plus, mais les suites sont un peu pourries. Le 2, il est juste magique, quoi. J'y ai rejoué il y a quelques mois et j'ai pris toujours autant de plaisir. Et à chaque fois que j'ai... Donc j'y rejoue tous les 2, 3, 5 ans, enfin, je sais pas, c'est pas très stable. Mais à chaque fois, j'arrive à aller un peu plus loin en essayant d'obtenir les médailles d'or en faisant les scénarios le mieux possible. Donc à chaque fois, je progresse un petit peu tout de même. Mais sans jamais, je suis jamais allé au bout, finalement, il y a pas mal de scénarios. Ah, Alex, tu as joué à Railroad Tycoon 2, yes! Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce jeu! Moi, je suis très nul aussi. Hein. Oh là là, oh là là, j'aime bien ça, mais je suis une quiche. Hein. C'est pour ça que je fais le petit bus dans OpenTTD. Normalement, pour se faire plein de thunes, il faut faire des... T'as mis des gens, ils font des réseaux de trains. Mais parce que ce qui est cool, voilà, ce qui est bien avec le fait que ça a été refait et modernisé, ce jeu, c'est que si on fait des trains... Attends, c'est où Là. Voilà. Bon, ça se voit pas tant que ça, parce que la barre d'outils, elle est assez bien faite, c'est assez... bien concentré, quoi. Mais on peut faire des montages de rails avec des points de contrôle et des feux rouges, là. On peut faire des montages de tarés. Il y en a qui font des stations d'échange avec des... Comme, un peu quand on, comme les délires avec la redstone dans Minecraft, quand on peut faire des trucs complètement fous. Mais j'ai aucune envie de me faire chier à faire ça. Donc, bilan de l'année... Moins 144 000, bon c'est logique, on a fait des investissements, n'est-ce pas? Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que les bus sont rentables, donc si je vais chercher... Voilà, profit cette année. Bon, on est sur des petits profits ou des petites pertes. Donc c'est sûr que les bus vont pas être les deal breakers, quoi. Bon, allez, go. Vite, on va essayer de faire, parce que là, mine de rien... Le temps vide nos caisses. Ah, je vais faire un nouveau centre, un nouveau dépôt quand même par ici, non? Je sais pas. Parce que là, si j'ai qu'un seul dépôt... J'aime bien faire souvent des dépôts entre deux destinations. Ici... Attends, mais je me trompe de bouton ou quoi? Ah oui, c'est là les routes. Ouais. Hop. On va faire ça. On va rajouter un peu de route, un petit dépôt très bien placé là, nickel. Ici, nous... Ah oui, non, il faut maintenant des arrêts. Donc là, on parle d'arrêt de chargement, aire de chargement. Ici, on va aller charger du charbon. Et ici, on va livrer notre charbon pour faire tourner la centrale. Ok, j'ai vu des coupures de journaux là, je sais pas, vous l'avez peut-être vu circuler à un moment. Il y avait, déjà à la fin du 19e siècle, il y avait un journal américain où quelqu'un disait que ouais, le charbon et tout, ça pourrait peut-être finir par réchauffer l'atmosphère. Je sais pas, bon on verra un jour, on verra. Mais on dirait que oui quoi. Ok. Nouveau véhicule. Minerai de fer. Il est où celui à charbon? Ah, camion à charbon, Balog. Il a aussi une fiabilité de 77%, ce qui est bien mais pas top. Allons-y. Alors là, je vais faire un peu différemment par rapport à tout à l'heure. Ça va être plus simple, entre guillemets. Je lui dis d'aller à la station Chambéry Mine, puis à la station Chambéry Transfert. Par contre, je me rappelle plus si c'est automatique la prise de cargaison dans ce jeu. Dans Railroad Tycoon, justement, il fallait choisir. Ici, je pense que c'est automatique, mais j'ai un petit doute. Je vais en envoyer un, puis on va voir.
Ouais, on est un peu loin à la détente. J'ai l'impression. Ah oui, là, il va déjà se rendre à la première étape. Ouais, un peu loin à la destination, surtout quand on voit. Donc aujourd'hui, j'étais un peu sur Twitter. Il y avait tout le monde qui parlait du Qatar et compagnie. Et la news tombe aujourd'hui, vous avez dû la voir, que les prochains jeux, les prochains sports d'hiver asiatiques se dérouleraient en 2029 en Arabie Saoudite. Ce qui est d'autant plus amusant que 2029, c'est l'année. De la fin du monde dans Terminator, si je ne m'abuse. Enfin bon. Voilà, voilà. Donc on va faire du ski en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est mieux ou pire que le foot? Je sais pas. J'avais plus assez d'air pour respirer, pour soupirer là. Bon. Le premier camion arrive à Chambéry-Mines. Ok, mais a-t-il pris un chargement? Si je clique sur mon petit Gugus. Je ne me rappelle plus comment on peut voir ce qu'il a dedans. C'est quoi ce détail du véhicule routier? Camion à charbon capable. Ah non, il est vide. Non, ça n'a pas marché. Alors, comment on lui dit de se remplir? C'est là, là? Non. Ou alors. Y a pas de charbon sur place, mais normalement oui. Voilà, là il y en a. Peut-être que quand il est arrivé, il n'y en avait pas encore. Je suis un peu étonné quand même. Si on parlait de bus plutôt. Ouais, nos bus sont plus cool. Ils sont pas encore électriques. Enfin électriques. Bon, est-ce une panacée? Mais bon. Le top, ça serait des bus à pédales. Ce serait pas trop bien ça? On monte dans le bus. Alors tout le monde ne devrait pas pédaler, donc il y aurait des places sans pédale. Et puis si tu peux pédaler, tu t'installes à un endroit où ça pédale. Et du coup, il y aurait une carlingue super légère en aluminium sans toit. Juste une petite bâche pour quand il pleut. Ouais, si t'es seul dans le bus, c'est un peu moins bien, j'avoue. C'est donc. Il faut s'assurer, ouais, comment dire. Il pourrait y avoir du staff. Qui aide à pédaler en début de trajet quand il n'y a pas grand monde ou... On va bien surveiller ce bus là, ce camion. Ah là il s'est chargé, ouais, c'est que c'était vide tout à l'heure. Et donc quand on a un truc qui fonctionne, qui est correct, on peut le dupliquer, mais alors je me rappelle plus. Copier un véhicule. Je peux copier celui-là. Ah, faut copier directement. Ok. Donc là, j'ai copié le véhicule 5. Vas-y. Je peux le copier plein de fois, en fait. Hein. On a dit que c'était où? Copier un véhicule. Hop. Hop. Voilà. Bon, avec tout ça, les gens ont du courant pour cet hiver. Fini les cols roulés. Ceci dit, j'en ai un de col roulé, donc en fait, c'est pas la peine que je rage, quoi. Que dans une galère. Ah oui, alors récemment, je me suis intéressé aux galères. Est-ce que vous savez... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, la différence. Ça peut sembler très facile, mais il y a des petites nuances. La différence entre une trirème et une quadrirème. Vous allez être sur une bonne piste, je pense. Mais c'est pas si évident que ça. Donc ça, c'est les trirèmes, quadrirèmes. C'était l'époque, bien sûr, antiquité, romaine, grecque, phénicienne, tout ça. Les Romains étaient pas mauvais là-dedans. Les Grecs étaient peut-être meilleurs, mais avant, quoi. Les Grecs, disons que les Grecs ont tenté plus de choses. Les Romains, ils ont toujours été très pragmatiques. Enfin, ils ont testé des trucs aussi, mais... Ils ont surtout utilisé à fond ce qui fonctionnait. Les Grecs ont été assez aventureux avec les galères. Donc tri et quadri, ouais, ça semble indiquer un truc. Donc oui, voilà, 3 et 4, mais de prime abord, on pourrait penser que ça veut dire que sur chaque côté du bateau, il y a 3 rames pour une trirème et 4 rames pour un quadrirème. Ok. Ah, il y a plusieurs. Ah oui, mais Terminator, c'est tellement le boxon en même temps. Ouais.
Moi, je parlais de 2029, c'était ce qui est mentionné dans Terminator 1 ou 2, je crois. Après, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ouais. Ah oui, les débris du premier film font que la fin du monde est plutôt dans le second. Ah ok, ouais. Ah oui, carrément, je me rappelais plus que ça agissait si vite. Ouais. Non, attends. Si tu parles du... Mais oui, bien sûr. Puisque justement, dans le 2, ils ont retrouvé un bras, je crois, ou je sais plus, de Terminator, qui fait que, oui, que la recherche va plus vite. Effectivement. Donc, ouais, alors, les quadrirèmes, et en fait, ça, on suppose, mais finalement, c'est pas si sûr, en fait. On sait pas trop, en vrai. Mais c'était plutôt les rangs de rameurs et non pas les rangs de rames. Et ce qui fait qu'ils sont allés jusqu'à un gros délire. Donc, il est Quinquerem avec 5 rangées de rameurs. Très belle image. Alors quand il y avait peu de rangées de rameurs, ça servait à déplacer des troupes et à éperonner. C'était un peu les chasseurs, quoi. Et quand il y avait beaucoup de rangées de rameurs, on pouvait trimballer des trucs plus gros et on y mettait des machines, des catapultes et tout, quoi. Mais il y a eu des hexarèmes. Et même plus! Ah, par contre, je ne trouve plus par où j'étais passé. Parce qu'il y a un gars qui était d'ailleurs un peu connu. Enfin, je ne sais plus son nom. Attends. Galère. Qu'est-ce qu'il y a après Hexa? Hepta? Ouais, je pense que les heptarèmes, ça existait. Et puis, il y en avait un qui avait tenté une dinguerie. Les grandes galères hellénistiques. Ouais, je crois que je vais y retrouver. Je vais retomber dessus. Il y en a un qui avait tenté un truc de fou. Alors, ça, c'est une heptère macédonienne. Du 2e siècle avant JC, donc là on est plus l'époque l'époque Alexandre Philippe II, tout ça là. C'est stylé quand même. Avec les yeux et tout. Donc c'est une sept véritable croiseur lourd de l'époque. Gna 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 gna. 175 rameurs par bord, 350 rameurs. C'est un truc de taré quand même. Hein. Plus. Des peltastes et des hoplites à l'intérieur, des balistes, c'est un truc de dingue. Mais c'est pas ce que je cherchais. Je cherche le record que les Grecs ont fait en termes de. Alors c'est peut-être là, attends, c'est ça ce que je viens de cliquer, ok. J'ai dû le noter quelque part, mais malheureusement je l'ai plus. Je crois qu'ils ont fait plus que l'heptarème. Si jamais vous le trouvez, dites-moi. Le Decker. Ah ouais, tu l'as vu là, il y était. Des tétraires au Decker. Les monstres de l'âge hellénistique. Et on trouvait le nom d'un mec qui avait créé ce truc-là. Là. Peut-être celui-là. Le Cataphractoi. Ah, c'est tout ce qui est au-dessus de la trirème qui est cataphractoïde. Okay, ouais. Enfin bon, on y reviendra, mais je trouve que ça serait un bon. Moi, je trouve qu'il y aurait une bonne petite histoire à faire. Et soit une petite fiction interactive, ou je sais pas quoi, mais. Une histoire qui se passerait dans un énorme bateau de ce genre, ça serait drôle, quoi. Donc, ouais, bon, c'est peut-être le maximum 10, ce qui est déjà pas mal, mais je sais pas s'ils ont pas allé jusqu'à 12, mais. Donc, et malheureusement, on n'a pas de traces, même de représentation de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc, c'était les navires amiraux. C'était peut-être pas super efficace, mais c'était pour montrer qu'on avait les moyens d'en faire, quoi, j'imagine. Trop cool. Bateau blindé de l'époque, mais ouais, putain. Là, c'est sûr que si t'es dans un petit trirème et que tu vois ce truc-là qui débarque, bah, il peut te couper en deux sans problème. Bon, après, les petits devaient être plus rapides et devaient arriver à s'échapper, mais. Mais il y a eu quelques batailles maritimes assez balèzes à l'époque. Ouais. Les campagnes d'Alexandre. Bah, il avait quand même fait un siège maritime autour de Tyr, mais bon, c'était pas trop une guerre maritime, Alexandre, mais. Mais il y a eu quand même quelques bastons sur l'eau. Ouais. Enfin, voilà. L'Hexarème. Alors lui, là, ça écrit navire à 6 rangs de rames. Alors que généralement, c'est plutôt des rangs de rameurs. Donc je pense, il est possible que le Wiktionnaire se trompe ici.
Mais bon, je n'ai pas de compte pour corriger Wikipédia et Wiktionary. Et puis, je suis pas sûr de moi, bien sûr, pour corriger. Mais en général, on lit plutôt rangée de rameurs. Où suis-je? Ah, là. Je suis allé la semaine dernière à une conférence des zététiciens locaux à Montpellier. Et c'était animé par un monsieur qui a écrit un livre étonnant, Le Management selon Jésus. Et je l'ai recroisé aujourd'hui. Il me disait qu'il avait aussi écrit un livre sur le management selon Napoléon. Et comme il a senti que peut-être ça le mettait dans une niche un peu de droite, il m'a dit, ah, mon prochain, c'est le management selon Jaurès. Je n'invente rien. Mais bon, après, je rigole un peu, mais c'est pas pour me moquer, mais c'est rigolo quand même. C'est rigolo de faire un livre sur le management selon Napoléon, puis selon Jésus. Au passage, je me demande si les conseils sont compatibles entre les deux. Et faire ensuite un livre sur le management selon Jaurès, je trouve ça un peu mignon, un peu rigolo après. Why not, hein? Pourquoi pas? C'est clair. C'est sûr que ça devait être un peu différent. Oui, mais oui, putain, t'as raison, j'ai même pas pensé. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est une soirée Minotaure. Mais oui, mais pourquoi? C'était pourtant tellement évident. Mais oui, une soirée chez Der Minotaure où vous êtes les comment dire, après une sorte de mutinerie ou je sais pas quoi. Peut-être que la mutinerie, ça peut même être l'introduction, quoi, en quelques minutes. Parce que si vous êtes que des esclaves, c'est pas très drôle. Mais rapidement, vous êtes des rameurs et des rameuses qui prenez le contrôle de votre heptarème ou je sais pas quoi. Et puis voilà, vous partez sur les aventures méditerranéennes. Ah, ça peut être carrément cool. En vrai, ça pourrait même faire une mini campagne sympa, mais bon, les campagnes, on va essayer de les limiter quand même. Bon, est-ce que mes bus et compagnie ont rapporté de l'argent? On peut emprunter, bien sûr. Donc en 1951, donc 1950, on a perdu beaucoup parce qu'on a beaucoup investi. En 1951, on a aussi beaucoup investi, ce qui fait que les revenus de 64 000 ont limité la casse, mais bon, on est quand même déficitaire, mais c'est pas grave. Et là, on va être bénéficiaire en 1952, semble-t-il. Enfin, on démarre à peine 52, on est en février. Ça devrait être largement bénéficiaire, mais bon, on n'est pas sur des revenus comparables à un réseau de train, bien sûr. Non, mais là, tout va bien, tout va bien. J'ai creusé mon, enfin, j'ai creusé dans ma comptabilité, mais après tout, j'ai payé plein de trucs, des routes, des réseaux, des véhicules. Alors malheureusement, les véhicules, c'est pas un investissement. Comment dire, tout de suite, ils vieillissent, ils se font du mal. En plus, là, ils sont vieux, donc ils sont pas très. Enfin, ils sont vieux. Ils sont de conception rustique, donc ils sont pas très très fiables. Mais on est dans le bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre? Est-ce qu'on rejoindrait Beaujolais, 300 habitants? Est-ce que c'était combien au début? J'ai pas retenu. Mais est-ce que les villes ont déjà commencé à grandir un peu? Je ne me rappelle plus combien c'était Chambéry et Agen en taille. C'était à peu près ça. Ça n'a pas trop changé, je pense. Chez les Grecs, non. Je pense pas que c'était des esclaves, non. Mais chez les Romains, ça m'étonnerait moins quand même. Mais chez les Grecs, non, je crois que c'était enfin voilà, comme pour la guerre. Je crois qu'il y a même, comment il s'appelle, Socrate qui avait été, enfin sûrement, c'était sûrement pas le seul, mais Socrate avait combattu dans les phalanges grecques avec sa lance et tout, quoi. Tous les bourges s'y mettaient. Ils pouvaient acheter l'équipement. Et puis si tu pouvais pas t'acheter de l'équipement, j'imagine qu'on te mettait rameur, mais ouais. Mais non, effectivement, c'était pas. Enfin, même si l'Antiquité grecque n'était pas une panacée et un âge d'or où il n'y avait pas d'esclaves, bien sûr qu'il y avait des esclaves, mais c'était pas systématique non plus. Ouais. Mais bon, pour le JDR, c'est quand même plus intéressant si vous êtes maître de votre bateau, un peu à égalité. Donc ça pourrait être éventuellement une mutinerie en mode scope, quoi. En mode, ok, on n'est peut-être pas des esclaves, mais vous nous envoyez vers une guerre débile, on veut faire autre chose. Alors il y a Vichy qui pourrait être rejointe, qui est un peu plus grande que Beaujolais. Mais Beaujolais, c'est Beaujolais, quoi.
Ici, on a du minerai de fer qui pourrait être envoyé dans des usines, des aciéries, mais je ne sais pas s'il y en a une dans le coin. C'est quoi ça? Ça, c'est une ferme qui demande des céréales et du bétail. Ici, il nous faut du pétrole pour la raffinerie. Hop. Donc, voilà. À Athènes, les rameurs étaient des citoyens libres, éventuellement renforcés par des métèques rémunérés. Les Romains utilisaient des marins, main-d'œuvre spécialisée, qui sont les hommes libres ou les esclaves. Donc, ok. Ouais, ils mélangent les deux. Chez les Romains, il y a une histoire très cool qui prend juste un paragraphe dans la vie des 12 Césars de Suétone, où il explique comment Jules César s'est fait capturer par des pirates. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Jules César s'est fait capturer par des pirates un jour, quand il était encore jeune. Hein. Il n'avait pas encore été général, et encore moins César. Et il les a tellement... Bon, après, c'est décrit en quelques mots. Hein. Ah, ça coûte cher. Ouais, là, je traverse des champs. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rachète les terrains. C'est des routes qui coûtent assez cher, là. Je fais de l'expropriation de western, là. J'ai coupé le champ, là. Il a un petit bout qui dépasse. Enfin, en admettant que c'est la couleur, peut-être que c'est pas le même, mais... donc, ouais, je disais que Jules César avait été capturé par des pirates... Et après, d'après Suétone, il était tellement charismatique, il les a tellement fait tourner en bourrique, qu'il a réussi à négocier le prix de rachat auprès de ses pairs. Parce qu'en fait, je crois, je sais plus si c'est moi qui l'ai rajouté après, parce que j'avais commencé à écrire une pièce de théâtre là-dessus, tellement je trouve le truc énorme. Je sais plus si c'est moi qui l'ai rajouté ou si c'est dans Suétone, mais il y avait à un moment donné l'idée que, je vais aller vérifier si je retrouve... Que les pirates au début demandaient une rançon trop faible et que César, vexé, lui leur a dit vous devriez demander plus. Alors, est-ce que je l'ai inventé? Alors je crois que j'ai trouvé le texte. Ouais. Par contre, je vais d'abord rapidement faire un petit arrêt d'autobus, histoire de rentrer dans les frais de cette route qui m'a coûté fort cher. On va regarder quelle est la station où il y a le plus de gens qui attendent. Parce qu'en fait, j'ai pas vérifié depuis le début, mais il y a sûrement plein de gens qui attendent là. Oh, non. Non. Il y a plus de queue qu'à la poste. Dans chaque arrêt de bus, il y a des milliards de gens qui attendent. Bon, on va améliorer ça après. Je vais rajouter un bus ici. Et après, on reparle de César. Nouveau véhicule, autobus qui va partir... de Chambéry Central, par exemple, pour aller à Vichy. C'est parti. Ah non, mais c'est pas aller là, c'est bon. Hop, hop, hop. Pour l'instant, on en met un. Clairement, il y a un potentiel pour mettre des tonnes de bus. Mais bon. Donc, je disais... Exproprieur capitaliste, eh oui. La vanité est décidément mon péché préféré. C'est quoi? C'était une phrase de César, ça ou... charger les premières lignes. Oui, enfin, en vrai, bien sûr, là, je joue. Là, j'essaie de varier un peu les plaisirs, mais en vrai, je pourrais très bien prendre les premières lignes, tout à fait, et les multiplier. Hein. D'ailleurs, je vais quand même le faire au moins une fois pour chaque. Elles dépendaient de ce dépôt. Mais en fait, dans le dépôt, il y a plus d'importance. Une fois que les bus sont partis, en vrai... Il faudrait que je prenne la liste de mes bus. Voilà, je sais que c'était les trois premiers, là. Il n'y a pas un bouton juste dupliquer directement? Ce serait plus simple. Non, il faut que je prenne un dépôt. Que je dise copier le véhicule 1, copier le véhicule 2, copier le véhicule 3. Et c'est parti, les gars. Donc au moins, on double... Le réseau Chambéry-Agen, c'est déjà ça. La Société du Diable avec Al Pacino. Ah bah oui. Ah ouais, non, je l'avais vu en plus, il est cool. Hein. Voilà. Gna 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 gna. Quelle histoire. Son accusation contre Dolabella. Je me rappelle pas de... Alors, il va étudier à Rhodes, ok, etc. Donc je me rappelle pas très bien de l'histoire du début, mais allons-y. Ses troubles apaisés, il accusa de concussion Cornelius Dolabella,
qui avait été honoré du consulat et du triomphe. L'accusé fut absous et César résolut de se retirer à Rhodes, tant pour se dérober aux ennemis qu'il s'était fait, que pour y consacrer ses loisirs aux leçons d'Apollonius Molon, le plus célèbre rhéteur de ce temps-là. Dans ce trajet, exécuté pendant l'hiver, il fut pris par les pirates à la hauteur de l'île Pharmacuse. Et non, sans la plus vive indignation. Ah voilà, ça effectivement, ça m'avait marqué. Clairement, dans le texte que j'avais commencé à écrire, il était odieux avec eux. De toute façon, on peut supposer que c'était quand même globalement un connard, quand même, je pense. Mais... Il reste alors prisonnier l'espace d'environ 40 jours, n'ayant près de lui qu'un médecin et deux esclaves au service de sa chambre, car il avait dépêché sur le champ ses compagnons et ses autres esclaves pour lui rapporter l'argent nécessaire à sa rançon. Donc il n'y a pas forcément l'idée qu'il a demandé plus, mais ça c'est un truc à rajouter qui peut être rigolo. Il la paya 50 talents, ce qui, oui, pour l'époque, si je ne m'abuse, est une très belle somme, et à peine débarqué sur le rivage, il poursuivit à la tête d'une flotte les pirates qui s'en retournaient, les réduisit en son pouvoir et les punit du supplice dont il les avait souvent menacés comme en plaisantant. C'est pas ouf ! Mais vraiment, il y aurait un film à faire là-dessus. J'aimerais en faire une pièce de théâtre en latin, mais c'est du boulot. Ouais. Bon. J'ai pu écrire deux pièces en français, mais c'était déjà relou. Alors en latin... En vrai, ça peut être drôle en s'aidant de latinistes sur des forums de nerds. Ça peut être marrant. Et là, la fin est très drôle, quoi. Il les paye et tout de suite, il monte une flotte, il vient les défoncer. Et en plus, et le petit rappel, là, c'est que pendant les 40 jours, il n'a pas arrêté de les taunter en mode « vous verrez ce que je vous ferai quand je serai chez moi. » Et eux, ils se disaient oh, « c'est bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ?» Et eh ben voilà ce qu'il a fait. Il est trop fort. Ah ben là, que tu comprennes pas à côté, je pense que c'est un peu normal, c'est quand même... Que deux esclaves pour s'occuper de lui, un peu cher. Oui, oui, une pièce de théâtre, ouais, plutôt humoristique, hein, c'est clair. C'est clair. Keterum composite. Zita, Zidicione, Kukiu, lui, là, on est quand même sur du texte qui n'est pas pré-mâché pour des cours de latin, donc c'est du... Voilà, là, ça va dans le dur. Hein. C'est sûr que c'est pas simple. Mais à la limite, moi, j'aimerais bien faire des... Là, ça fait plusieurs fois que j'ai pas pu faire mes streams du dimanche matin. C'est vraiment, en fait, ça me saoule. Je sais pas pourquoi j'ai décidé un jour de faire ça le matin. C'est vraiment trop relou de se lever le dimanche matin. Donc, je pense que c'est plutôt parfois le dimanche après-midi ou le dimanche soir que je ferai des lectures. Et parmi les lectures potentielles, il y a une méthode de latin qui est géniale. Je vais voir si je la retrouve. Hein. Je sais pas où j'ai foutu. Je me hasarde dans un truc un peu optimiste. Là. Moi, je pense que je le trouverai pas comme ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une méthode où on est censé pouvoir apprendre le latin. Mais j'ai un peu commencé, et c'est vrai, je pense. Hein. C'est pas mal fait du tout. Si on a un background de langue latine quand même, hein. Si un chinois ouvre ce bouquin, il n'arrivera à rien, je pense. Mais si on parle français ou italien ou espagnol, on peut lire le texte qui n'est que en latin et qui nous permet de comprendre de mieux en mieux. Au début, ça va être très très simple. Genre Italia, Est, in, Europa, un truc comme ça, enfin, des trucs super cons. Et franchement, je le kiffe ce bouquin. Alors, il y a aussi une méthode assimile en latin. Il y a une méthode assimile en latin que j'avais un peu lue, mais... En fait, alors, je sais pas s'il y en a une moderne, plus récente, mais celle qui date des années 70, elle est quand même un peu surannée. Hein. Alors, est-ce qu'il reste beaucoup de charbon là-bas? Il y a plein de charbon. C'est le bilan de l'année. Ah, alors, encore une fois, c'est faussé par le fait que j'ai à nouveau investi... Bon, le revenu routier, c'est de 95 000 euros. Mais après, j'ai encore beaucoup investi à côté. Donc, oui, mais j'ai plus beaucoup d'argent, en fait. Je peux plus, en fait, à moins d'emprunter, je peux plus me faire des copies de camions comme ça, quoi. Donc, maintenant, il va falloir laisser passer le temps. Je peux accélérer le temps. Et puis, espérer avoir à peu près 100 000 euros de revenus par an. On va voir. Est-ce qu'ils avaient des... Italia in Europa Est, bien sûr, tout à fait. Et ouais, la méthode en latin, elle est... Ouais, franchement, elle est pas top. Celle du grec, elle est vraiment cool. Mais le grec, c'est super dur, c'est relou.
Mais la méthode latine est... Ouais. Mais c'est possible, ils en aient fait une nouvelle. Moi, j'avais récupéré en torrent une vieille version dégueulasse. Enfin, qui est torrent ? Non, j'ai des bêtises. J'ai le bouquin, je crois. Enfin, j'ai aussi récupéré du PDF. Parce que bon, voilà quoi. Mais je l'avais acheté. 1953, 95 000. Donc les caisses. Ah oui, mais ça va, ça remonte bien. Ça remonte bien. On se fait de la thune. Et est-ce que la. Comment je peux voir si Chambéry transfert ? Voilà. Est-ce que ma centrale électrique peut afficher plus. Peut encaisser plus de charbon ou pas ? Parce qu'elle doit avoir une limite quand même. On dirait qu'elle n'a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, on va y aller. Hein. On va rajouter deux. Et puis on va rajouter d'autres bus, puisque je pense qu'il y a encore plein de gens qui attendent aux arrêts de bus là-bas. Ah non, ça a bien marché le... Ah non, mais Chambéry Centrale, elle est en lien avec deux villes maintenant. Donc, et comme c'est pas très loin, Vichy... Donc Chambéry Central, l'arrêt est bien desservi. Par contre, Chambéry tout court et Chambéry Est, il y a encore largement de quoi faire. Mais côté Agen, c'est pas ouf, à part Agen Central. Ok, go. Donc on va faire deux lignes de plus qui partent toutes les deux d'Agen Central et qui vont une à Chambéry Est, une à Chambéry. Je pense que là, on sera pas mal. Agen Central, Chambéry Est, c'est parti. Et ensuite j'ai dit Agen Central toujours. Et l'autre Chambéry tout court, hop. Là on commence à avoir un réseau qui devrait être relativement équilibré. Le charbon va finir par... Non, il y a 920 tonnes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre centrale à alimenter ? Bon, on verra. Ouais, le grec, c'est... Alors, je sais pas... Alors... L'audio est ouf, quoi. Franchement, c'est... Alors, après, est-ce qu'il parlait vraiment comme ça à l'époque ? Bon, je pense que si, je pense qu'on a moyen de savoir à peu près comment ça parlait dans l'Antiquité grecque quand même. Mais le CD est bien foutu, vraiment, ça fout l'ambiance de ouf. Et les leçons, je pense qu'elles sont bien faites, mais le grec, c'est quand même... Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué que le latin. J'exproprie encore un petit peu, là. Et on pourrait être tenté d'aller jusqu'à La Rochelle. Ça va coûter un peu, la route. Mais c'est tentant, La Rochelle. Angers, c'est énorme. Ah oui, il y avait cette idée aussi de faire peut-être... La ligne Angers-La Rochelle. C'est ta déclinaison aussi, oui. Et puis surtout à... C'est pas tellement le fait qu'il y ait des lettres un peu spéciales, ça. Bon, une fois qu'on a l'habitude... C'est... Enfin, là, je les ai plus, mais... Mais c'est pas le problème. C'est qu'il y a, de mémoire, juste... Plus de combinaisons dans les déclinaisons. Et puis surtout, plein d'exceptions, quoi. Alors que le latin... Bon, il y en a, mais... Je sais pas... Je pense que c'est communément admis que le latin est beaucoup plus simple. Enfin, que le latin est compliqué, mais que le grec est beaucoup plus compliqué. Mais je saurais plus exactement dire pourquoi. Mais c'est beau, hein, c'est trop cool. C'est la classe. Alors après, malheureusement, c'est aussi peut-être un peu moins utile. Enfin, je dis pas que le latin est super utile, mais le grec, c'est encore plus... Encore que... J'en avais discuté avec une grecque. Bon, ok, elle était un peu dégoûtée. Elle me disait, mince, mais apprends le grec moderne, quoi. Et qui me disait quand même que c'était pas si éloigné. Bon, c'est pas la même langue, bien sûr, mais... Mais peut-être qu'en vrai, ouais, en travaillant les langues grecques, on peut avoir quelque chose qui se rapproche du grec moderne et qui peut être plus utile, mais... Donc on a de l'argent, on peut doubler certaines lignes ou partir à l'aventure. Après on n'est pas obligé de tout relier, il peut y avoir une ligne complètement indépendante. Enfin, je pense qu'on est autorisé à le faire, il y a des jeux où on peut pas, mais dans Railroad Tycoon par exemple on ne peut pas toujours. Mais ici je peux tout à fait... Tiens d'ailleurs, est-ce que je suis seul ou est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui
qui sont arrivés. Parce que normalement, j'ai pas trop touché au paramétrage, mais par défaut, il me semble qu'on peut avoir des compétiteurs. J'ai pas fait attention quand j'ai créé la partie. Ton latin a été utile pour un voyage en Italie, mais c'est déjà énorme qu'une langue morte soit utile pour un voyage comme ça. C'est déjà bien. C'est déjà énorme. Non, mais après, je sais pas, c'est juste que d'une manière générale... En vrai, c'est bien d'avoir quelques bases dans les deux, parce que dans la langue française, il y a toujours de quoi te rappeler que ça vient soit du grec, soit du latin. Donc c'est pas inutile. Alors je pense que ce serait pas mal de faire quelque chose à ranger quand même. Alors il y a des options. Alors c'est où? Voilà, ici là. Ça c'est pour démolir des constructions. Ici, construire des routes. Il y a un bouton pour agir sur le terrain. C'est ça? Ouais. Terraformation. Alors, par contre, ça risque de coûter cher ça. Shift, contrôle pour Shift pour afficher le coût estimé. Coût estimé 1000 euros. Ah ça va, allez. Boum. Je descends un peu le terrain ici pour pouvoir faire un passage. On va faire ça là. Et voilà, paf. Ah, nouvelle année qui se termine. Les revenus routiers sont de 140 000 euros par an maintenant. C'est pas mal quand même. Après, il y a des bus qui vont finir par casser. Il faudra remplacer. Mais bon, pour l'instant, ça va. C'est... Putain, j'arrive pas à voir. C'est là. Bon, après... Nickel. Donc, on a rejoint La Rochelle et Angers. On peut déjà faire un petit réseau entre ces deux-là, même si c'est pas relié au reste. Comme ça, ce sera prêt. Voilà. Après, on s'occupera de relier ça au reste de notre empire. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, non, ça, j'avoue, c'est génial de déchiffrer le grec. C'est trop bien. Et avec le peu de souvenirs qui me reste, quand j'y arrive, je trouve ça déjà rigolo. Hein. Ouais, c'est comme le russe. Alors, le russe, parfois, j'avais fait un tout petit peu de russe, mais vraiment très très peu. Je l'avais appris pendant un mois ou deux. Mais c'est vrai que j'étais quand même arrivé au stade où je parlais pas russe du tout, mais je pouvais déchiffrer les lettres. Et maintenant, ça me sert plus que. C'est encore pire qu'un voyage en Italie. Le russe, les restes que j'en ai, ça me sert que quand je joue au jeu DayZ, la DayZ. Parce que ça se passe dans une région fictive russe et tous les panneaux de signalisation sont en russe. Bon, c'est toujours mieux que rien, hein. Ça me servira peut-être plus tard si jamais on retrouve des chars russes tout pétés jusque dans les banlieues françaises, mais pour l'instant, c'est un peu loin. Alors, allez, on va mettre des petits arrêts de bus. Par contre, il y a beaucoup. Alors là, voilà. Là, on arrive dans des cas où, quand les villes sont très denses, si je veux faire. Je pourrais exproprier aussi dans la ville, mais ça va me coûter beaucoup plus cher. Et puis, c'est dommage, ça perdrait, la ville perdrait du potentiel. Je pourrais mettre un arrêt ici. Ça supprime un des seuls parcs qu'ils ont, là. J'ai l'impression que c'est libre, là, mais c'est pas très clair. Je peux utiliser pour l'interrogation. Hop. Attends. Outils d'inspection du paysage. Parc, propriétaire Angers, coût de démolition 1100 euros. Ça me fait de la peine, hein, mais bon. Je peux supprimer sinon un théâtre à 4000 euros. Ou alors je peux essayer de ne pas faire le connard et de faire des arrêts de bus autour. On va essayer de voir si on trouve la place. Hop. Mais par contre, l'aire de récupération est beaucoup moins. La zone couverte est beaucoup plus faible. Et ça prend. Il y a plein de bâtiments qui ne sont pas dedans. Mais c'est pas grave, allons-y. Paf, on en fait un ici. Salut Micra, c'est pas un arrêt de bus. Ouais, c'est carrément des petits dépôts. C'est sûr qu'on est dans du pixel art un peu particulier, hein, c'est certain. Ouais, Micra, je sais pas si
Je sais pas si jamais ça te retente, mais il y aura du JDR Minotaur qui va reprendre sur du Star Wars bientôt. Là, bah, non, je pense que ça sera mardi prochain, en fait. Non, pas mardi, maintenant. Si, mardi. Mardi prochain. Mais là, ça sera une semaine par mois. Enfin, c'est quoi ça? Mardi prochain, on sera le deuxième mardi du mois. Donc, par exemple, tous les deuxièmes mardis du mois, ça sera une campagne Star Wars Minotaur. N'hésitez pas à faire passer le mot s'il y a des gens que ça peut tenter. Ah, bien vu, t'avais capté. Putain, tu connais le jeu, en fait? Ou t'as juste vu tout à l'heure alors, si j'avais mis l'autre dans une région urbaine, d'ailleurs, on pourrait le faire un petit peu. Peut-être pas dans cette ville où il n'y a pas beaucoup de place. On peut le faire dans une autre ville où il y a beaucoup de place. Voilà, si je fais ça ici, ça va récolter du courrier. Ce qui peut être sympa aussi. Alors, je suis pas sûr que le courrier, que le stade de foot soit le plus pourvoyeur de courrier, mais... Ah, il y a aussi des biens qu'on peut récupérer. Ouais, ça, c'est si on est proche des usines. On va en mettre là, par exemple. Hop. Je vais mettre une par ville, une station, une poste, on va dire. Par ville, ça ira très bien. Là. Voilà. Boum. Et il nous reste à mettre des bus dans La Rochelle pour pouvoir exploiter un peu tout ça. Hop. C'est pas mal là. C'est plus, il doit y avoir une touche pour faire la rotation. Ou des raccourcis clavier. C'est où? Ce que je voudrais voir. Je voudrais voir dans l'autre sens là si la route elle continue ici là. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre. Je vais jouer des centaines d'heures à jouer. Il n'y a pas de rotation, putain, c'est étonnant. Ah, mais les point and click. Les point and click, c'est quand même très cool. Hein. Ah, d'ailleurs, il y a le nouveau Monkey Island qui est sorti, mais je l'ai pas acheté pour l'instant. Mais... Il paraît qu'il est bien. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur les graphismes, mais ça m'a pas choqué. Et ceux qui l'ont fini ont l'air de l'avoir trouvé plutôt cool. Et donc, ouais, si tu as joué des centaines d'heures à ce jeu, Microbium, j'imagine que tu es un expert en réseau de train, ce qui est un peu le truc qui rapporte de la thune. Moi, je fais les plusieurs raids bus pépère dans mon coin qui rapporte que dalle, mais j'ai vu des gens qui faisaient des montages des réseaux ferroviaires de fou. Des réseaux ferroviaires de fou. Voilà. Boum. On va quand même faire un petit bus de base là. J'ai un peu de thune. Allez go. Ah, j'ai fait qu'un seul arrêt à Angers. Bah, c'est pas grave, on va commencer avec ça. Parce que quand même, ça me fait de la peine de détruire un truc, mais il n'y a pas trop de place à Angers. Hein. C'est très dur de résister à l'envie de péter ce parc. Tu peux télécharger des trams. Ah ouais, cool. Tu penses qu'il ne tournerait pas sur ton PC le bâtiment invisible. Attends, c'est où ça? Le dernier Monkey Land, bon, c'est vrai que c'était un PC très ancien. Tous les jeux modernes, des fois, sont un peu demandants, mais après, ça doit pas être non plus la folie, quoi. Ça doit être ici, non? Option de transparence. Ok. Ah. Pourquoi le bouton, c'est quoi? Voilà, c'est des variantes. Ok. Ok, bon, ouais, ça peut dépanner, mais. Ça peut dépanner. Donc, je disais, qu'est-ce qui manquait? Ouais, il y a ce parc, là. Ouais, il va y passer, je pense. Hein. Après tout, c'est que des pixels, hein. C'est pas un vrai parc. Allez, ciao. Bam. Alors. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller à La Rochelle en bus. J'espère que vous aviez envie d'y aller. Alors,
Bon, du coup, ils sont un peu proches. J'étais parti dans l'idée que je m'étais là parce que je prenais pas la centrale, mais bon, c'est pas grave. Nouveau véhicule, j'ai toujours pas de nouveau bus, de nouveau type de bus disponible. On va faire Angers Central jusqu'à La Rochelle Centrale. Et le Angers tout court jusqu'au La Rochelle tout court. Allez-y, pour l'instant on n'en fait que deux. J'aimerais bien aussi quand même relier. Le fichier central accède désormais courrier. Oui, donc là le courrier arrive. Parfait. C'est clair. C'est clair que au début j'étais en mode empathique et puis finalement ça m'a saoulé là qu'il y ait zéro place. Les gars, putain, votre parc là, il était tout pourri en plus. Il y avait même pas un toboggan là, ça sert à rien. Alors, ensuite. Véhicule lycée, t'as trop peu d'ordre. Ah, qu'est-ce que je suis allé un peu vite, qu'est-ce que j'ai oublié. Il y a un truc qu'il a pas dû prendre et que j'avais pas vu. Ah, carrément, mince, c'est pas d'ordre du tout. Qu'est-ce que j'ai fait. C'est celui qui faisait les. Angers-La Rochelle, je pense. Ouais, hop. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais là, ça devrait être bon. Ok. Et puis ouais, je crois qu'il n'y a pas de compétiteur là. J'ai lancé une partie de base. Mais peut-être qu'il a gardé des. J'ai réinstallé le jeu, mais peut-être qu'il a quand même gardé des paramètres que j'avais mis auparavant et qui est pas. Là on peut le voir ici, là, compétiteur. Permettre les IA multijoueurs, autoriser. Je sais pas si je peux vérifier qu'ils vont arriver ou pas. Parce qu'il me semblait qu'ils arrivaient plus vite quand même. Bon, ceci dit, il m'aurait défoncé, donc je suis pas forcément méga pressé, mais... Ah, voilà. Angers, ils sont pas contents de moi. Ils ont pas aimé le coup du parc, quand même. Ils ont pas beaucoup aimé. On peut pas trop leur en vouloir. Alors, ça va, si, c'est quand même bon. Ça pourrait être pire. On va faire une petite campagne de pub. Ça coûte combien? 23 000 euros. On verra plus tard, hein. Ok, bah ils sont contents, les bus arrivent un peu partout, très bien, ok. Et maintenant, on va pouvoir tranquillement faire rejoindre Vichy et La Rochelle. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire un contournement, donc ce qui est déjà plus long, et puis ça fait passer par des champs qu'il faut racheter, ou est-ce que le pont... Mais je pense que les ponts sont très chers à ce jeu, si je me rappelle bien. Les ponts coûtent une méga blinde, ce qui n'est pas forcément illogique, certes. Donc je suppose que là, il vaut quand même mieux faire le tour, quoi. Mais il y a beaucoup de champs... Pas du terrain vierge, quoi. Hop. Bah en tout cas, voilà, ça c'est un jeu que je ressens de temps en temps, que je trouve assez assez mimi. Et donc dans le site Abandonware France, je vais quand même petit à petit récupérer. Comme voilà, le mardi parfois je ferai du jeu de rôle Minotaur, et le reste du temps sera peut-être des jeux un peu comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, il vaut peut-être mieux que je fasse un créneau un peu plus JDR, mais pour l'instant, en phase de transition, je ferai un petit mélange. Après, je ferai peut-être un créneau un peu plus spécialisé, rétro gaming ou jeu alternatif, mais... Mais ouais, j'aimerais bien... je sais pas, Waya, si c'était là encore ou quoi, mais dans les point and click d'une grande époque, il y en avait un qui était un peu spécial, pas à la Monkey Island, mais qui était très cool, c'était Croisière pour un cadavre, qui est repris ici là et qui était assez stylé au niveau de l'ambiance années 20. Je l'aimais beaucoup. Ils m'en voudront surtout parce que j'ai un pauvre bus qui passe deux fois par an. Oui, c'est vrai que l'attente va être très longue. Ouais. L'attente va être très longue. Donc on va essayer là 238, 68 personnes. On va essayer de les satisfaire un peu plus. D'autant qu'il y a beaucoup de monde aussi à La Rochelle, donc on peut s'amuser. Ouais. La Rochelle centrale, il y a pas mal de monde. Angers central, il y a pas mal de monde. Ça, c'est mon bus. C'est lequel? C'est pas lui, c'est l'autre. Voilà, on va copier celui-ci là. Hop. Voilà. Par devant, toi. Et toi, le 19, il est où? Hop. Allez, vas-y. Ding.
Voilà. C'est déjà mieux. On doit pouvoir en faire encore plus, peut-être, mais... Et donc, on avait aussi notre centrale à charbon. Et le charbon, donc, elle peut en manger tant qu'on lui en donne du charbon, la centrale. Ça, c'est un truc de fou, en fait. J'en profite pas tant que ça, mais je pourrais lui vendre... Je pourrais lui vendre les énormes tonnes de charbon qu'il y a ici, plus le charbon qui est là. Je suis étonné quand même. Il y a peut-être une limite, mais qui n'est pas précisée. Qualité, couverture. Non, ça, c'est ma station. La centrale, il n'y a pas beaucoup d'infos sur la centrale. Centrer la vue sur l'industrie. Le point d'interrogation, ça n'aide pas plus. Non. Ouais, je pensais pas l'avoir fini non plus en vrai, le croisière pour un cadavre, mais justement, ce serait... En ayant la soluce à côté quand même pour se débloquer, ça peut être... Mais en la regardant que si vraiment il y a besoin, ça peut être un truc à faire qui est sympa. La centrale prend tout, putain, mais c'est fou alors, parce qu'il y a vraiment masse charbon, hein. Bon, ben, on va y aller, hein. Pas très glorieux, mais allons-y, hein. Hop. 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 C'est pas mal déjà, 3. Hein. On va déjà amener tout ça. Nouvelles locaux, mais non, mais... Mes chers amis, les trains... je ne fais pas de train, c'est trop efficace, les trains. Je ne fais que des véhicules routiers. Alors, après, s'il y a une ligne vraiment basique, peut-être que je pourrais faire un petit train. Mais le train, c'est mieux, c'est plus avantageux, je pense, pour les matières... Enfin, pas pour les passagers, quoi. Je pense que c'est mieux pour les trucs, justement, genre charbon et compagnie. Genre ramener du fer à une aciérie. Minerai de fer. Là, on a une aciérie. Je sais qu'on a vu du fer hein, par-ci, par-là. Hop. Oui, c'est sûr que le train... Ouais. C'est vrai que quand t'as des centaines de passagers, ouais, le train, ça doit être cool aussi. Ouais. Myst, moi j'avais été trop marqué par le bruit du vent. Le bruit du vent dans Myst, il était génial. J'avais joué chez un ami, moi je l'avais pas. Mais oui, c'était un jeu mythique, quoi. C'était quelque chose. C'était quelque chose, ce Myst. Ah, par contre, alors King's Quest, j'ai joué au. Le premier que j'ai, c'était le 5. Avec une caverne genre Alibaba et tout là. Ça, on va s'occuper de cette centrale à charbon. Là. Hop. Hop. Voilà. Et allons-y. Nouveau véhicule. Camion à charbon. Allez à Agen Bois. Ah, il y a aussi du bois ? J'ai même pas fait gaffe. Non, c'est juste le nom du bled, ouais. Agen Bois jusqu'à Chambéry Transfert. Et alors ça, on va le copier. Un paquet de fois. Vas-y. Un, deux. On va laisser un petit délai entre chaque. Liste, c'était beau. Ouais, non, l'ambiance était géniale. Après, c'était des puzzles, ouais. Écran fixe, des puzzles. King's Quest, j'ai joué au 5, qui avait quand même une ambiance très cool, sauf que le problème des jeux Sierra, alors peut-être pas tous, mais les King's Quest en tout cas, tu pouvais te bloquer, tu pouvais te softlock, tu prenais pas tel objet en début de jeu, et plus tard t'arrivais à une zone de jeu où tu pouvais plus revenir au début pour récupérer l'objet en question, et par contre t'étais bloqué. Quoi. Merci. Donc ça c'était pas très sympa. Mais il était beau, les King's Quest, c'était magnifique. Et par contre, Gabriel Knight, je crois que j'ai jamais joué. Je vois ce que c'est, je regarde, je le voyais passer sur les revues spécialisées et tout, mais j'ai jamais joué. Ouais, non, c'était affreux. Alors que Monkey Island, c'était pas possible, tu pouvais ni mourir, ni te bloquer comme ça. Ben, tous les jeux LucasArts qui ont suivi, je pense que c'était la même idée. Hein. Peut-être. Par contre, c'était pas forcément le cas pour les premiers, hein. les Zach McCracken et tout. Maniac Mansion, peut-être que tu pouvais te bloquer, je sais plus. Mais c'était cool quand même, Maniac Mansion et Zach McCracken, il y avait une ambiance assez spéciale aussi. C'était un jeu qui jouait sur les thèses conspirationnistes et tout. Avec le visage de Mars et tout. C'était bien sympa, j'aimais bien. C'était
c'était une esthétique vraiment chelou. Alors, on doit pouvoir le trouver sur Abandonware, je vais voir. Zach, si je cherche Zach. Non, je pense que les jeux Lucas, ils sont pas disponibles en Abandonware. Non, non, c'est pas au niveau des droits, c'est un peu touchy quoi. En Abandonware, on n'a pas tout. Il y a des choses qui sont un peu tendues, évidemment. Est-ce qu'on peut changer par... On pourra pouvoir choisir par style. Voilà, aventure. Ah, il a un paquet, hein. Ah putain, j'avais oublié ce jeu. 88, je l'avais en CGA. J'avais oublié que j'avais ce jeu. Ça me fascinait. En fait, putain. Oh là là. Le premier... Ah, mais mon Dieu. Oh là là. Choc mental. Oh mais je me suis fait un auto-choc mental. Le premier PC que j'ai eu chez moi, moi j'avais un Amstrad CPC 464 et puis ensuite 6128 et tout. Puis un jour mon père a acheté un PC, mais c'était un PC qu'il avait acheté pour lui pour travailler, donc c'était un écran CGA, c'était dégueulasse quoi. Mais il avait quelques jeux, je sais pas où il avait décoté ces jeux, il avait quelques jeux tout pourris, dont Rank Xerox, un truc basé sur une BD italienne. Et en 3, il y avait 20 minutes sous les mers et qui était... Oh, le gameplay à l'époque, c'était pas ouf, hein, mais je sais pas, il y avait quand même l'ambiance. Voilà, l'écran titre, c'était vraiment dégueulasse. Mais il y avait quelques images qui avaient quand même une bonne ambiance. Là, on pouvait ouvrir, je crois, ça s'ouvrait ici, le rideau, là, pour voir dans l'eau. La carte... Alors, j'y comprenais pas grand-chose au jeu et je suis pas allé loin du tout, hein. Je me rappelle les interfaces poussives. Et oui, les expéditions à terre. On faisait des expéditions à terre qui ressemblaient à des cases de BD. Il y avait quand même des bonnes idées. Hein. C'était vraiment pourri, mais il y avait de bonnes idées. Après, 20 minutes sous les mers, c'est cool déjà. Comme. Alors, basé sur... Attends, en fait, c'est pas mal les crédits. Graphics. Donc, c'est un jeu français. Hein. Pascal Arnaud. Soundtrack de René Guy. Tramis. Est-ce que vous vous demandez pas ce que fait aujourd'hui René Guy? Il y a marqué René Guy, hein, mais bon, je suppose que c'est René Guy. Monsieur. C'est Iramis ou non, c'est Tramis. Hein. Monsieur René Guy Claude Tramis est sur LinkedIn. Et il a. Ah putain. Je sais pas, ça me gêne un peu de le mettre comme ça. Je sais pas, c'est pas spécialement. Craignos, mais il est sur Deezer. Non, mais c'est bien lui, c'est sûr. Il a un truc sur Deezer. Je me rappelle pas de la musique de ce jeu. Ah ben voilà, en gros, on dirait qu'il a adapté du Bach à l'horrible PC speaker qu'il y avait à l'époque. Mais ouais, je trouve ça rigolo des fois de chercher les gens qui ont bossé sur des très vieux jeux, de voir ce qu'ils font aujourd'hui et ça me fait marrer. Pas très drôle, mais ça me fait marrer. Ok, donc revenons à notre réseau routier qui rapporte de la thune. On va la faire passer jusqu'à l'année 1957. Nouvel aéronef disponible. Voilà. Donc en 1956, notre réseau routier nous a rapporté pratiquement 300 000 euros. Et vous voyez les caisses déborde d'argent avec ces 218 000 euros qui vont nous permettre, sans coup férir, de relier La Rochelle à Vichy. Vichy qui grossit, qui a dépassé les 300 habitants. Chambéry qui dépasse les 2000 aussi, qui arrive à 2100. En Agen qui a énormément grandi. Ah ouh, mince, bon, si, bah, c'est bien. Et on a démarré vers 1600 Agen quand même. Donc il y a des effets à tout ça. Et avec nos nouvelles routes charbonnières... Ah, mais il y a encore une centrale. Hop. Bon, je fais pas le chemin le plus optimal. Hein, mais... Loin de là même, mais c'est pas grave, tant pis. Oh, c'est moche. On va quand même faire un petit peu mieux.
pas ouf, mais voilà. Très bien. Alors, est-ce que si je fais un trajet très long, genre un bus, il me semble que ça marche comme ça, mais comme dans Railroad Tycoon, mais je ne suis plus très sûr. Si je fais un trajet de Angers à Agen, donc c'est vraiment loin. Bon, évidemment, il y aura un bus par an qui aura le temps d'arriver, mais il me semble qu'il va rapporter un max. Mais je suis plus très sûr de ça. De toute façon, il y a plein de gens qui attendent par-ci, par-là, donc on va les emmener quelque part. On va les emmener quelque part. Chambéry, globalement... Ah non, non, il y a encore deux stations qui sont en souffrance. Et j'ai l'impression que c'est pas très avantageux de faire ce que ferait un bus réel. Dans ce genre de jeu, en général, c'est pas forcément top de faire un bus qui fait Agen, Chambéry, Vichy, La Rochelle, Angers. Si on fait ça, mais je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que si on fait ça, à chaque fois on récupère juste une petite somme par rapport à un tout petit trajet, et puis après on refait une toute petite somme. Et je crois que c'est plus rentable d'attendre d'être arrivé super loin. Bon, je sais pas. Ah, tu gagnes moins au kilomètre quand même. Ok. Donc tu penses que c'est mieux de... Est-ce que c'est mieux de faire un vrai trajet de bus alors de faire vraiment des arrêts intermédiaires? Parce que dans Railroad Tycoon, par contre, c'est sûr que c'était beaucoup moins bien. Après, chaque jeu a sa logique interne. Mais... Ouais, bonne nuit, Waya. Bah, de toute façon, ouais, je vais pas non plus trop tarder. Le mieux, c'est d'aller vite et loin. Ouais, vite et loin. Bonne nuit, Waya. Donc, jeudi soir, 21h45, 22h. Fiction interactive. T'étais pas là la dernière fois, donc je sais pas si c'est un créneau qui t'arrange moins le jeudi, peut-être. Mais en tout cas, bon, on pourra... Pour en reparler, mais détruire les bus, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que les bus, c'est tout pourri. Hein. Ciao, voyons. Alors, comme je disais au début, les bus, moi, c'est vraiment ce jeu-là. J'y joue pas très souvent. Je l'aime bien, donc ça me fait plaisir de le montrer. Et puis, si ça peut intéresser du monde, c'est cool. Je montre pas toutes les potentialités, c'est sûr. Mais j'ai pas forcément la patience. Après, en jouant en multi, ce serait peut-être plus amusant, mais en solo, bah, j'aime bien juste prendre mon temps pour faire grossir mes villes, en fait. Je fais mes petits réseaux routiers entre plusieurs villes, et puis ça me fait juste rigoler de les voir grandir. Puis c'est tout. Pas touche au bus. On est d'accord, l'Azur, on va les garder. Ouais, bah pas de soucis. Ouais, en vrai, moi aussi, en ce moment, je suis un peu éclaté. Et bon, c'est difficile de trouver du temps pour démarrer plus tôt que 21h, 22h. À bientôt, en tout cas. Pas touche au bus. Et on pourrait rajouter, d'ailleurs, des camions de transport de courrier. Ah, mais il n'y en a pas de courrier. Nul. Alors, où est-ce qu'on a une station où il y a du courrier qui attend vraiment? Ah bah, j'ai raté un truc ou quoi? Accepte du courrier. Mais elle en fait pas. Il y a des bâtiments. Ah, ça doit être les bureaux qui en font plus du courrier, c'est ça? Oh putain. Non, je me suis planté sous le courrier. Ah, ça, c'est si compliqué. Enfin, c'est si compliqué. Je pensais pas que le jeu était si complexe, tu vois. T'as vraiment un concept que quand un passager est généré là. Il a vraiment une destination précise en tête. Moi, pour moi, c'était un peu abstrait, ça. Et puis, on pouvait l'envoyer où on voulait, quoi. Oui, mais les camions de courrier, il faut pas qu'il y ait d'abord du courrier qui attende pour... Attends, c'est pas là, c'est là, ouais. Il faut pas qu'il y ait d'abord des courriers qui attendent pour que ça vaille le coup de mettre des camions de courrier. Je vais en mettre un dans ce cas-là. Si c'est l'offre qui entraîne la demande... On va en faire un petit entre La Rochelle centrale. Ah, attends, c'est où? Tic. Alors, fourgon postal. On va partir d'ici. Et on va aller. Oh là là. Ah non, j'en ai pas mis ici. C'est où? Non, le plus proche, ça doit être du coup. On va peut-être pas prendre Vichy, mais. On va prendre Chambéry Central. Voilà. Entre Chambéry et La Rochelle, on établit un échange de courrier.
Hop, hop, hop. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Hein. Parce que sinon, je me dis qu'il y a aussi, tu vois, normalement, là, par exemple, La Rochelle accepte des passagers, puis ça en génère. Ici, c'est pas, je me dis que, pareil, hein, je fais beaucoup référence à RR Tycoon, parce que c'est des jeux un peu cousins, mais le fait que ça accepte du courrier, ben, ça veut pas forcément dire que ça en génère, donc je me demande si il faudrait pas que je fasse un truc de courrier plus proche de ces bâtiments-là. C'est quoi, ça? Commerce et bureau, quoi. Cargaison acceptée. Oh, putain, cargaison acceptée. Il marque pas la cargaison générée. Ouais, moi, je connais pas assez bien les mécaniques internes du jeu. Tant pis. Ouais, les arrêts sont... Ouais, c'est clair. À la limite, une fois que la ville... Ah mince, le véhicule 28 est perdu. 28, c'est un véhicule récent pourtant. Perdu, perdu quoi, il est où? Ah non, il est perdu dans le sens où il sait plus où il va. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi? C'est le routier qu'on vient de faire là le... Ah mais ça m'est arrivé tout à l'heure aussi d'avoir cru donner un... Ah si, c'est bon. Non, et d'avoir une route mal foutue en fait. Il a fini par retrouver son chemin, j'ai l'impression. Au début, perdu, je croyais que ça voulait dire qu'il avait explosé, mais... La route est peut-être pas très simple, mais ça a l'air de marcher. Attends. Voilà, il sort là, il va là. Ouais, c'est bon, c'est faisable. Qu'est-ce qui m'embête? Ok. Si ça accepte le courrier, ça devrait en donner. Bon, bah très bien. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc la prochaine étape, c'était quoi? Je sais plus. Donc les caisses sont à nouveau bien remplies. Bah en même temps, franchement, c'est un peu du cheat, quoi, quasiment. Si une centrale électrique à charbon accepte tout le charbon qu'on lui donne, c'est open bar, quoi. Là, je lui envoie... Une quinzaine de camions, peut-être pas une quinzaine, mais une douzaine de camions qui lui envoient ça depuis deux mines différentes. Bon, après, les mines sont pas éternelles, mais je pense qu'il y a le... Et alors, est-ce qu'on pouvait pas acheter les trucs qui sont bien rentables? Enfin, j'aurais dû les acheter avant, peut-être. Est-ce qu'on peut pas acheter certaines industries? Ça, pareil, je me réfère à... Railroad Tycoon, je sais plus sur celui-là. Dans Railroad Tycoon, on pouvait acheter certaines industries, puis si elles étaient lucratives, ça faisait un petit bénéfice régulier, quoi. Là, je crois pas qu'il y ait ça. Afficher les subventions. De Montpellier à Saint-Valery, on en est très loin. Après, je pourrais le faire, mais bon. Oui, le tour à 7. Tour, c'est où, tour? Alors. Et toi, là, t'habites à combien? Alors, tour 7. Oh, 7, c'est loin. Alors, c'est loin. Combien de subventions? Ils nous disent pas combien? Mais c'est pas des sommes énormes, je crois. Hein. Ouais, ciao, Lazur, bisous, bisous. Et puis, de toute façon, je crois que je vais couper bientôt, là. T'as des quelques conseils, Microbium, je prends. Hein. Tu peux créer des nouvelles entreprises, mais bon, il y a ce qu'il faut sur la carte. Oui, bah là, normalement, là, a priori, je suis parti dans une... J'ai pas fait gaffe au réglage, mais je suis en full solo. Mais quel intérêt ça aurait de créer une autre entreprise? Il y aurait une certaine sécurité s'il y en a une qui fait faillite. Effectivement, c'est sûr que l'autre peut être libéré, mais en même temps, ouais, je sais pas. Toi, tu as tendance à faire plusieurs sociétés pour les... Attention, si tu fais que des trains en même temps. Ouais. Si tu ne fais que des trains, la question ne se pose peut-être pas. À une époque, je jouais bus et avion, voilà. Mais pff, les avions, en vrai... Les entreprises ferment pas trop. Bah, moins de... Ouais, si on fait un peu gaffe, c'est vrai que c'est difficile de faire vraiment faillite, mais... Le bateau, est-ce que c'est rentable? Je pense, à moins de trouver des villes côtières vraiment ouf, je pense pas que ce soit génial. Ou des industries côtières sympas. Mais là, sur cette carte, c'est pas top. On
Non, là, dans l'absolu, bon, c'est une partie un peu cheap où je fais que du routier. Mais je sais pas si c'est la taille standard d'une carte, là, j'ai l'impression, je pense. Ouais, je pense que j'avais dû laisser 256 cases sur 256. Mais on peut faire plus grand, ouais. Et plus tu fais grand, plus les trains et les avions doivent être intéressants. Ouais, voilà, ouais. Un aéroport à chaque coin. Gling, gling, gling. Plus c'est grand. Donc, Alençon. Ah, en plus, là, c'est pas mal. Bon, après, c'est un peu, y a du dénivelé un peu relou, quand même. Mais Alençon et Angoulême, c'est deux villes avec une taille assez correcte. Tu mets un aéroport de entre milieu, là, entre les deux. Et par contre, Saint-Flour en face, c'est pas ouf, mais ça doit facilement grandir si c'est bien là. Ou Blois, peut-être, un aéroport près de Blois. Ah non, il a vraiment du mal, hein, ce véhicule. Mais je vois pas trop comment l'aider, la route est pas si compliquée que ça. C'est marrant, ouais. Est-ce que c'est parce que parfois ils se coupent la route les uns les autres, peut-être? Je pourrais rajouter des routes, mais il faudrait couper. Ici, Chambéry, c'est tellement rempli, il faudrait que je coupe des. Que je vire des immeubles pour rajouter du passage. Et là, si je fais un pont pour simplifier la route, ça va me coûter des millions d'euros. Ah, les bateaux, t'aimes bien faire des réseaux de canaux, car au contraire des bus, ils se chevauchent. Ok. Mais les réseaux de canaux, ça doit coûter beaucoup en terraformation, mais après, ouais, en même temps, ça peut être rentable. Ah, ça peut être rigolo, ouais, carrément. Surtout quand il y a des lacs comme ça, là, qui peuvent permettre, là, avec pas trop d'efforts, on doit pouvoir faire un canal ici, ensuite jusque-là. Ce qui donne accès déjà à plusieurs villes, là. Une fois arrivé là, on peut continuer à creuser jusqu'à Montpellier. Tiens, je vais regarder parce qu'on peut estimer les coûts là. C'est où? C'est là. Voilà. Donc là, si je fais abaisser le terrain ici. Ça coûte que 1000 en fait. Ah ouais, non, c'est pas si cher en vrai. Enfin, sauf qu'en vrai, non, sauf que ça va emporter plusieurs cases d'un coup. Donc là, si j'appuie par exemple, j'ai combien? 365 000. Donc là, une fois que les bulldozers seront bien partis, ça va devenir de l'eau normalement ici. Voilà. Ouais, c'est pas si cher en vrai. Ouais. Ouais, bonne. Bah, de toute façon, ouais, je vais couper là. Mais merci pour l'idée. Les canaux, je pensais que c'était exorbitant, mais pas tant que ça. Donc c'est vrai que ça peut être une piste. Et puis c'est rigolo, ça donne une.